L'espace de dimension 3 contient la sphère S2 de dimension 2. De la même manière, on peut examiner la sphère de l'espace de dimension 4. C'est l'ensemble des points qui sont à la même distance d'un centre. Mais pour décrire la position d'un point sur cette sphère, il nous faut maintenant trois nombres. Elle est donc de dimension 3, et nous l'appellerons S3, bien sûr. Vous ne pourrez pas voir cette sphère dans l'espace de dimension 4, puisque votre espace n'a que 3 dimensions, et que l'écran n'en a que 2. Je ne peux que faire appel à votre imagination. Pour mieux comprendre les polyèdres en dimension 4, nous allons procéder comme l'ont fait les reptiles avec les polyèdres en dimension 3. Les faire gonfler sur la sphère, puis les projeter stéréographiquement sur un plan. Ici, nous allons donc faire gonfler les polyèdres jusqu'à mettre leur face sur la sphère S3 dans l'espace de dimension 4 et projeter stéréographiquement sur l'espace de dimension 3. Je vais grimper au pôle nord et je projetterai pour vous ce que je vois sur votre espace de dimension 3. Je ne peux pas vous montrer où je suis, mais pensez aux reptiles qui ne voyaient pas non plus un de leurs collègues monter sur un promontoire. Nous sommes exactement dans la même situation. Voici le simplex. On voit bien ces 5 sommets et ces 10 arêtes. Bien sûr, dans cette vue, les arêtes sont des arcs de cercle. Là encore, la situation est tout à fait analogue au cas des polyèdres de dimension 3, projetés stéréographiquement sur un plan. Voici l'hypercube. On le reconnaît bien, avec ses 32 arêtes et ses 16 sommets. La compréhension est plus facile qu'avec la méthode de l'ombre ou celle des coupes par un espace de dimension 3. Voici le 24, avec ses 24 sommets, ses 96 arêtes. Le 120. Et enfin, le 600. Ajoutons les faces bidimensionnelles pour y voir plus clair. Le simplex avec ses 10 faces triangulaires. Bien sûr, les faces bidimensionnelles sont des morceaux de sphère, tout comme nous avons dit que les arêtes étaient des arcs de cercle. Le simplex tourne dans l'espace de dimension 4, avant d'être projeté stéréographiquement. Rappelez-vous, quand nous faisions tourner la Terre comme une balle et observions le mouvement des continents, de temps à autre, une face passe par le pôle de projection et la projection devient alors infinie. Elle semble exploser sur l'écran. Un petit coup d'œil à l'hypercube. Vous voyez que l'espace est décomposé en 8 zones cubiques qui constituent les faces tridimensionnelles de l'hypercube. Quant aux faces bidimensionnelles, ce sont des carrés, plus ou moins bombés et tordus,
Il y en a 24. Mon préféré, le 24. Admirez. Le 24 est vraiment une merveille. 24 sommets. 96 arêtes. 96 triangles. Et 24 octaèdres. On voit 8 arêtes qui partent de chaque sommet. Voici le 120, dont nous allons mieux comprendre la structure. De chaque sommet partent 4 arêtes. Ces faces bidimensionnelles sont des pentagones. Il y en a 720. Ces 720 pentagones s'articulent en 120 dodécaèdres. Admirez tous ces dodécaèdres qui s'agencent les uns avec les autres. N'est-ce pas impressionnant? Thank you.
terminons par le 600, avec ses 600 faces tridimensionnelles en forme de tétraèdre, ses 1200 faces triangulaires, ses 720 arêtes et ses 120 sommets. Croyez-moi, il y a 14400 symétries de l'espace de dimension 4 qui préservent cet objet. Voilà, nous avons terminé notre première exploration de la quatrième dimension. Cette dimension contient beaucoup de merveilles. Mais bien sûr, l'imagination des mathématiciens ne s'arrête pas à la quatrième dimension. Il y a la cinquième, la sixième, la énième dimension, et même la dimension infinie. Chaque dimension a sa particularité, mais il faut bien dire que la quatrième est la plus belle. Pourquoi ? Peut-être parce que finalement, elle a une espèce de réalité physique. La théorie de la relativité d'Einstein, qui date du début du XXe siècle, postule que l'espace et le temps sont en quelque sorte mêlés dans un espace-temps de dimension 4. Un point de cet espace-temps est un événement, caractérisé par sa position spatiale, x, y, z, et par l'instant t où il se produit. Faire de la physique relativiste nécessite alors de maîtriser la géométrie de dimension 4. Il est intéressant de remarquer que la découverte de cette géométrie de dimension 4 précède d'une cinquantaine d'années la découverte de la relativité. Encore un petit va-et-vient entre les mathématiques et la physique, dont l'histoire des sciences raffole.